Si cette ville m'a appris une chose, c'est que tout a un prix. Les secrets, la réputation, une vie. Et la confiance. Si vous posez la question, c'est au-dessus de vos moyens. À vrai dire, c'est pas vraiment important pour quelqu'un comme moi. Après tout, est-ce que j'ai déjà dû payer pour quoi que ce soit ? Il y en a qui aiment les oiseaux. Moi, c'est plutôt la peinture. Je ferais mieux de voir ça de plus près. C'est la grande route des voleurs. J'espère juste que c'est pas qui je pense. Erin, forcément. Tu peux pas faire plus bruyant ? Je savais que tu reconnaîtrais mon style. Basso t'a prévenu qu'on travaillerait ensemble sur ce coup, non ? Je suis venu, ça répond à ta question. Toi alors, t'as pas changé. Amène-toi, ce sera comme à la grande époque. T'as choisi ce trajet parce que c'est plus rapide ou parce que c'est plus marrant ? Pourquoi pas les deux ? Allez, Basso attend sa livraison. Tu peux pas rester dans l'ombre, duchesse de la torche. J'allais en repérage. Je sais que tu préfères passer.
essayer ces trucs-là. Rendez-vous de l'autre côté. Bon, je pense que je vais bifurquer. Vite de décharger avant la fin des dimanches. Et si on arrosait d'abord cette journée de boulot? Oui, enfin, on va pas abandonner la charrette. Oh. On est en plein festival, les voleurs sont en train de roupiller derrière une barrique. Ouais, la vigile va être abîmée aussi. Moi, je veux plus négocier l'amende avec un garde ivre mort. Garrett, allez. T'es jaloux de mon crochet? C'est moi qui l'ai fait. Pas de doute, ça va impressionner la vigile. On va pas passer inaperçu. Il faudrait déjà qu'il m'attrape. Fais gaffe où tu mets les pieds, c'est tout. On n'est pas là pour s'en mettre plein les yeux, Garrett. Mais plein les poches. Dis-moi, tu es toujours un voleur, non? J'étais déjà un voleur quand tu portais des couches. Voilà le Garrett que je connais. Ça te dit rien, un petit concours? À qui en prend le plus? Regarde ce que j'ai trouvé. Une petite virée, toi et moi. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté déjà? Tu connais pas la réponse. Rester discret là où je suis pas le bienvenu. C'est-à-dire un peu partout. Difficile de garder un secret dans ce quartier. Dans la rue comme les vigiles, évitons-moi de te mettre en pleine lumière. Tout le monde peut te voir. La bière doit bien finir quelque part. Je ne suis que l'intermédiaire. Et puis là, il n'y a que toi qui me regarde. Allez, viens, on va manger des ailes de papotte. Alors, combien t'as volé? C'est pas combien t'as volé. C'est qu'est-ce que t'as volé. Et comment tu t'y es pris? Apparemment, la pierre primale qu'on doit récupérer pour Basso se trouve dans la salle de cérémonie à North Crest Manor. C'est le manoir du baron. Ça sera pas facile. Inquiet? Ouais, et tu devrais l'être aussi. T'en fais pas. Je serai là pour t'aider. La mission se complique de minute en minute.
Ça en fait, des gardes. Et ils sont pas là pour profiter du festival. Beaucoup de gardes, ça fait beaucoup d'épées. Les voleurs sont allergiques à l'acier. Les épées, ça me pose pas de problème. Mais crois-moi, je suis pas une simple voleuse. Ce serait idiot que ce bazar rende l'âme devant les invités du baron. En plus, on n'y verrait plus rien. Ça s'éteint et ça se rallume tout le temps. Tu peux pas réparer ? Est-ce que j'ai une tête d'ingénieur ? Personne n'arrive à suivre avec toutes les expériences de son Altesse. Il y a des lumières nouvelles. Bronson, viens voir. Quoi ? Tu peux aider le petit nouveau ? Ça fait 10 minutes qu'il essaie d'allumer une corbeille de feu. Je suis pas son père, tu sais. File, avant qu'il fasse cramer son uniforme. Saleté de courant d'air. Ils peuvent pas rester allumés, bon sang. Ça laisse pas assez d'air pour que les flammes respirent. Je suis vraiment un mange. Je viens d'une famille de charbonniers. Ah ouais. Avec les usines, c'est un métier en voie de disparition. Hein? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui... Pourquoi tu l'as tué ? Il avait à peine ton âge ! Garrett, c'était un garde. Alors tant pis pour lui. En fait, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je tue jamais, sans raison, ni sur un coup de tête. Et je ne suis pas un tueur à gages. Si je comprends bien, toi t'as le droit, mais pas moi. Je vois, je comprends. Sauf que ce garde-là ne se réveillera pas pour suivre nos traces ou donner l'alerte. En général, je suis déjà loin quand les gardes se réveillent. Si tu es pressé de partir, je vais peut-être passer devant. Tu me ralentis, là. C'est plutôt ton crochet qui te ralentit. Qu'est-ce que c'était, ce bruit ? Qui est là ? Y a quelqu'un ? C'est quoi ce bruit ?
d'un branle de cloche. Si t'arrêtes pas de piétiner comme ça, tu vas finir par trouer tes nouvelles bottes. C'est ma petite amie, monsieur. Elle va me présenter à son père. Il sait pas que j'ai rejoint la vigile. Et alors? C'est une marque d'honneur et de respect. Ouais, mais le problème, c'est qu'il croit à ces rumeurs. On se ferait graisser la patte. T'as peur de te faire doubler, c'est ça? Je partagerai, si t'es sage. J'ai surtout peur que tu nous fasses tuer tous les deux. Je suis plus une gamine, pigée. Je peux courir plus vite, grimper plus vite, je peux... Tu peux tuer plus vite, te planter plus vite, c'est bon. Tu sais pas ce que tu fais. C'est pour ça que je m'en sors mieux. Faudra t'y faire. On va déjà finir ce travail. Ouais. Et on n'a pas besoin de ce truc-là. L'objet de nos convoitises, la pierre primale. Des toges. Les toges, c'est rarement bon signe. Frère Cornelius, Aldous, les clés, je vous prie. C'est le baron Northcrest. Nous sommes réunis ce soir pour offrir une nouvelle naissance à la cité. Une ère de progrès et d'illumination industrielle. Que la canalisation de la primale commence. Semla Insfrakakan. Sken Mamakana. Allez, on les rejoint en bas, ça va être drôle. Non. On a terminé, on s'en va. Quoi? T'es pas sérieux? Ça tourne pas rond. C'est trop dangereux. Et t'es pas encore prête. Tu sais que je suis plus une gamine. Je peux me débrouiller. Avec ou sans toi, je descends. Tu descends pas sans ça. Arrête, donne-moi le crochet!